Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on va remonter cette petite rivière. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. On va voir ce qu'on peut attraper. On va commencer à la cuillère. Voilà, donc à mon avis, on va faire de la perche, du chevesne, voir quelques surprises, on ne sait jamais. Donc voilà, on va découvrir ça et on se retrouve pour les poissons. Allez, c'est parti. Allez, premier lancé. Il y a quelques nénuphars. J'ai mis une cuillère avec un hameçon simple pour commencer. Oh oui, poisson. Petite perche. Bon, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de poissons dans cette zone. Mais il y en a. Des minuscules. Donc vraiment celle-là, mais elle est minuscule. Cachée dans les nénuphars. Oh, c'est joli ça. Ouais, c'est un chevesne. C'était pas du tout pareil l'attaque. Je pensais que c'était plus gros. Oups. Il se débat. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a une arrivée d'eau. Un étang qui est derrière. Et le chevesne, bah, du coup, il était. Ouais. Il était posé dans l'arrivée d'eau, il y a souvent beaucoup de poissons dans les petites arrivées comme ça. On va voir s'il n'y en a pas un autre. Oh, c'est quoi ça? Mini chevesne. Putain, ils se prennent bien avec l'hameçon sympa. Putain, vraiment, je peux pas faire plus petit niveau perche et chevesne pour le moment là. Là les gars, on va vers une zone qui est complètement inexplorée. Là c'est sûr que personne n'y pêche. On trouve même des bidons d'eau là en pleine forêt, pleine campagne. Bon là je vous le dis, on est sur un secteur qui est vraiment mais pas pêché mais du tout. J'espère que... Oh oui! Pas mal ça, quand pour faire du poisson, vous voyez déjà on monte en taille. Pas énorme non plus, mais on progresse. Oui, loupé. Et je suis sûr qu'on pourrait très bien tomber sur du brochet là-dedans. J'en prends plus haut sur cette rivière. Oh oui! Putain, l'attaque à mamie! J'ai cru que c'était beaucoup plus gros. Ça monte. Ça descend là par contre. Je crois qu'elle est plus petite que la première. Allez, on va pas s'amuser avec ça. Oh putain, alors là. Costaud ça. Il y a vraiment beaucoup de poissons, vous voyez les zones qui sont très peu pêchées, pas accessibles là. Ça tape fort dedans.
pas mal non plus. Oh, joli. J'adore, ça va tellement vite, on prend tellement de poissons. Là les gars, sur cette vidéo, vous allez en voir de la perche, hein, je pense. Voilà, par contre, si je lance dans les arbres comme ça, vous êtes peut-être moins joué. Ouais, merci, c'est bon. On est sur une autre zone un peu plus haut. Y a du poisson. Ça se voit que c'est très peu pêché. J'ai à peine, je fais des lancers, ça prend direct. J'aimerais bien réussir à faire un peu plus gros. D'autres espèces quoi. Oh, ça c'est pas mal. Non, toujours la même taille. Je m'enflamme. Je suis sûr qu'il y a plus gros. Il sort nulle part lui. Putain. Ouh, il m'a fait peur. Je croyais que c'était plus gros encore. Non, lui c'est le plus beau. Pour le moment. Allez. Oh oui. Oh dommage. C'était beau ça. Il avait bien pris le leurre souple. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Belle perche. La plus belle pour le moment, avec un petit leurre souple de la lande. Ah, tant pis, j'ai pas pu la montrer. On va voir s'il n'y en a pas d'autres là-bas. Aussi. Oh, c'est beau ça aussi. Ah ouais, on a une zone. Ouah, j'ai failli me prendre le leurre dans. Retour de l'heure dans la gueule. Et on a loupé. Alors s'il n'y en a pas d'autres. Là une zone. Ouais. Qui est assez profonde et. Ouais. Et elles suivent tout. Oh celle-là elle a bien gobé. Regardez comment elle l'a engammé. Limite, je vois même pas l'hameçon quoi. Hop. Ça grossit, ça grossit. Allez, on va la remettre par là. On va voir s'il n'y en a pas d'autres encore. On est sur une zone à gros poissons, je vous le dis. Bon, on va remettre une cuillère parce que là, c'est assez plat. Pour finir. Je fais des petits lancers à mes pieds. Et ça tape. J'ai vu qu'il y avait un peu plus d'eau ici direct, j'ai mis la cuillère dedans. Et une perche. Il y en a une deuxième.
Ouais. Chevenne. Yes. Dès qu'il y a un peu de courant, chevenne. Ça y est, ça, c'est le poisson qu'il fallait prendre. Broché. Et voilà. Et ouais, 18 centièmes. C'était pas prêt. C'était mon dernier lancer. Et je partais. Je suis dégoûté. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Il reprendra pas de toute façon. Peu de chance. Il a la cuillère dans la bouche. Ou alors même pas du tout, soit il a juste coupé le fil, on sait pas. Ah là là. Bon, c'est la fin de la vidéo. Donc c'est une petite vidéo, hein, je pense que ça va être courte. Donc on a pris la perche du chevenne, pas très gros. Et puis là on casse à l'instant pour finir sur un brochet. Alors, il va faire ses. C'est 50 hein, je pense. Et du coup ouais 18 centièmes mais forcément ça l'a pas fait. Donc tant pis, là j'ai pas le temps en plus de continuer à pêcher pour que je rentre. Donc on reviendra peut-être pêcher ici, un peu mieux équipé quand même. Parce que bon s'il y a du brochet comme ça et qu'on casse à chaque fois, ça va pas le faire. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!